Ça, c'est un des pianos qui appartenait à mon arrière-grand-père. Celui-ci, un Brunswick, OK, 1890. Il était situé dans le salon. Je vais vous montrer où. Direct là, à côté sur le mur, là. OK, aura les haut-parleurs, là. Et puis, la réputée de Brunswick, impue à faire, là. Tu veux dire, c'est dans les pianos droits, là. C'était, en tout cas, ce qu'il y avait de mieux. Oh, ça avait une présence incroyable, le son là-dedans. Mais moi, je ne l'ai pas vu ici parce que en 61, 62, que mon père l'a donné en famille. Et puis, mais avant ça, ici, il y avait Tidlan Richard qui venait à Julien Provencher en parlant d'eux. Eux autres, on sont très connus. Hein? Là, quand même, Tidlan est plus connu que Julien, là. Mais, je vais vous dire, en fait, Julien Provencher, c'était l'ingénieur du son de Tidlan Richard et plusieurs autres. Il y en avait ben, Armand Desrochers, tout ça, Louis Bilodeau, les affaires, ben, comme. Ici, j'en ai un, là. Ben, c'est sûr et certain, le Festival des Cantons, ça a été produit, le son, était directement produit par les studios JD. Ouais. Julien Provencher et Denis Aubin. Ouais, ici. Bonanza. Ouais. Production Lévis. Lévis-William. Et le studio était pas loin du centre de Shocking. Ben, c'était direct à côté, là. On va mettre. Ouais. Un gars de Bromptonville. Faut. Ah, ben, ça, là. C'est qui, ce que c'est? Il y a un problème quelque part, là? Bon, OK. Le rive de la rive sud. OK. Le rive de la rive sud. André Lefebvre de Brompton. OK, c'est du folk. C'est très bon, du folk. Parce qu'à l'origine, c'est de la musique du Québec, ben, des colonies, les seigneuries, c'était ça, là. Il n'y a rien de synthétique là-dedans. C'est excellent. Je ne le mettrai pas fort, là. C'est produit chez nous, celui-là. C'est un gars de Brompton, là. En 1975. Ah, c'était le bon temps. Ouais, c'était vraiment le bon temps. Une table tournante de même. Ils n'ont plus bien mis les neufs, là. Ça se vend encore, mais tu commences à s'apercevoir que c'était meilleur. Hey, ce disque-là, il est en haut de 30 ans, là. Puis écoutez, ça joue aussi bien qu'un CD. Le monde d'aujourd'hui va trop vite. Thank you.
Yes. C'est bien entendu qu'on va mettre l'autre, OK? Les studios de musique, dans le temps, c'était quand même assez grand. Aujourd'hui, ça rentre tout dans l'ordinateur. Puis bon, on va mettre dans tous les cantons. Et bien entendu, c'est sûr que ça a été repris plusieurs fois. Mais cette version-là, c'est celle des festivals des cantons, là. Okay? De 1975 aussi, je pense. Claire Jolicoeur, justement, qui chante. Et puis, un autre, là. Ouais, Solange Tessier. Studio Julien Provencher. Attends un peu. Nouvelle version Télé7. C'est pas d'avoir une date là-dedans, là. Oui. C'est ça. 74. Dans tous les cantons. Je vais aller voir en même temps l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est qui me demande là. Souvenir que j'ai eu du Festival des Cantons, c'est sûr et certain que c'est l'excursion qu'il y a eu en 1976, en l'été 1976. Ouais. L'organisation avait loué la locomotive à vapeur 6060 du Canadien National, qui est la locomotive la plus célèbre au Canada, là, et qui était grandement satisfait de ce voyage-là. Ça partit de tout simplement Sherbrooke via Richmond, aller-retour. Et je vais vous dire une affaire. C'est à bonder de monde. Moi, j'avais une place assise. Avec ma mère. Ah, c'est pas croyable. Mon père travaillait. Quand la locomotive a passé, ils ont crié du criard, le moulin. Ah, c'est top, pas croyable. Aïe, aïe. Rendu à Richmond, moi, voilà, je vois la table tournante.
la table tournante. C'est une table tournante, pas pour virer des disques, là, pour virer la locomotive. Et la remettre en direction d'aller à Sherbrooke. Je vais vous dire une affaire. Ça passait dans ce temps-là. Puis le monde, on pouvait dire, on peut dire, ouais, que si ça reviendrait, je serais bien content. Yeah! Ben, on s'en souvient encore, la preuve, on l'a entendu.